Maître Cal et je suis de retour sur YouTube pour vous faire une petite démonstration de mon nouveau programme Spartiate. Alors, premièrement, programme d'entraînement. Commencez par 15 minutes de cardio, vélo elliptique ou stepper. On commence le circuit training par faire entre 12 et 15 répétitions de squat. La descente, elle est lente et la montée, elle est en un seul coup. On passe au squat sumo. L'astuce de ce mouvement est l'écart entre les deux jambes. À faire entre 12 et 15 répétitions. Après, vous restez sur place et vous faites les fentes statiques entre 12 et 15 répétitions chaque côté. Vous attaquez après les fentes mobiles. Vous descendez tout en bas pour cibler au maximum les jambes et les fessiers. Pour finir, vous attaquez les kickbacks entre 12 et 15 répétitions de chaque côté. Vous poussez vers l'arrière et vous levez le maximum possible vers le haut. Pensez à vous hydrater et à faire vos étirements avant. Deuxièmement, programme alimentaire. Deuxièmement, le programme alimentaire. Il faudra prendre en considération, premièrement, l'objectif. Ça veut dire que l'objectif de chacun ou chacune. Donc, du coup, si par exemple la personne elle veut sécher, galber, muscler ou prendre de la masse musculaire. Donc, ça, il faut le prendre en considération pour élaborer un bon régime alimentaire. Après, vous avez aussi les allergies de chaque personne au lactose, gluten, arachide. Après, on peut dire que si la personne est végétarienne, il faudra faire un programme plus spécifique. Donc, il faudra prendre en considération l'objectif, les allergies, et si la personne est végétarienne ou non. Troisièmement, les équipements. Alors, messieurs, dames, vous pouvez être équipés. Alors, si vous êtes, bien sûr, une femme, il faudra bien sûr être équipé des haltères entre 4 et 6 kilos chez vous avec un tapis. Et bien sûr, si vous êtes des hommes, on ne va pas prendre les mêmes haltères. Cela veut dire qu'il y aura des haltères un peu plus élevés au niveau du poids, genre 10, 12, entre 8 et 12. Donc là, minimum, il faut avoir des haltères et un tapis à la maison. Si vous avez un stepper ou un vélo elliptique ou autre matériel comme barre de traction, ça peut être bénéfique pour vous. Donc, minimum, il faudra avoir des haltères et un tapis. Alors, ce qui donne l'aspect spartiate à ce programme, c'est que, comme vous avez vu, la jeune demoiselle, elle a fait une série de squats, une série de squats sous, une série de fentes statiques, une série de fentes mobiles, une série de kickbacks. Là, on a ciblé au maximum les jambes et le fessier. Cela veut dire que vous allez faire entre 12 et 15 reps de chaque mouvement. Quand vous finissez un mouvement, vous attaquez le deuxième. Vous finissez le deuxième, vous attaquez le troisième. Vous finissez le troisième, vous attaquez le quatrième. Vous finissez le quatrième, vous attaquez le cinquième. Et là, vous prenez entre 1 minute et 1 minute 30 de repos. Vous levez une gorgée d'eau et direct, vous envoyez le deuxième circuit training. Par contre, messieurs, si vous êtes dans une salle de sport, bien sûr, vous n'allez pas acheter des haltères de 6 ou 8 kilos. Vous travaillez suivant votre force. Si vous êtes en salle de sport, vous soulevez 12, 14, vous achetez des haltères qui sont entre 10 et 14, et comme ça, vous allez faire tous les mouvements. Vous allez faire tous les mouvements pour tous les muscles. Par contre, pour quelqu'un qui débute dans la musculation, ou une femme, elle n'a pas la même force qu'un homme. Bon, après, comme je dis bien sûr, qu'il faudra mettre en considération que le régime, il est super important. Il fait 70% du travail. Et j'oblige pas les gens à prendre des compléments alimentaires. C'est pas obligatoire. Si vous rajoutez les compléments alimentaires, c'est bénéfique pour vous. Je n'impose aucune marque de compléments alimentaires, que ce soit MyProtein, Citel ou Optimum, ce que vous voulez. Vous prenez d'où vous voulez. L'essentiel, que le complément alimentaire, il coïncide bien sûr avec votre alimentation et qui vous donne le maximum de résultats. Que vous soyez satisfait. Donc, sur ce, j'espère que la petite démo vous a plu et je vous dis, commandez dès à présent le
programme spartiate, contactez-moi sur Instagram, Maître Cal, sur Facebook, Hardcore Team HK, ou sinon, on se voit sur YouTube pour des nouvelles vidéos. Sur cela, je vous laisse avec la chaîne numéro 1 de la fitness en France, et c'est... Bethlehem, ou chérie, dis-moi un défi.